Moi, toi aussi, tu fais chier, t'attends. Et Voilà! Bah... Du coup, c'est de la mer maintenant. Non, c'est de l'ado, ouais. Ok. Moi, je Il faut dois... que Non, Bob, c'est bien il trop prenne le proche. truc et tout. Bah, j'ai Bien, bien, enchaîné bien les deux dans la proche. même vie. Je... Tiens, Bob, faut que tu tiennes. Et je fais quoi? Au moins, Mais j'en sais tu rien. mets le plus près possible de Guillaume. Au moins, on sait que les Non, animaux, c'est de ceux ta qui mouille. Ouais, ou putain, ah, ça, putain, Je change de nom, putain, même ici, là. Maintenant, replace-le parce Putain, qu'on a et un grand angle. c'est... Replace-le Remets-la. parce qu'on a un grand angle. Remets-la. Un grand Voilà. angle. Là, on est pas mal. Pas C'est du bien, tout. Axel n'a pas de Change de strabisme. nom, putain. Mais C'est le détectage de strabisme sur les C'est figurines. trop tard, je suis un expert. Ils sont tous débiles. Allez, mec. Tiens, cul. On va la caméra. Toi pour taper. Un Silent Hill et tu crois que tu vas taper des gens, toi. Mais c'est quoi comme jeu? C'est Pity. C'est la démo du prochain Silent Hill qui a été annulé et qui me fait pleurer dans mon anus. Annule? C'est bien fait. Annule. Et là, il y a des portes qui sont... Putain, il y a... C'est bien fait et les couloirs sont un peu... Bah, normaux pour l'instant. Anxiogène. Ouais, bah, c'est bien. Oh, ma deuxième manette Play 3. T'es où? Tombé de là. Bah ouais, mais je comprenais pas où elle était. Comme nous, on est posé. On est posé. J'aime Ramoneil. Ça veut dire déjà genre qu'on a 5 personnes. Vitis, ça attire du monde ou... Sur l'adresse email. Ramoneil. Ramoneil. Là, il y a personne du tout. Non, parce qu'on vient de lancer. Quoi, t'es mort maintenant? T'es mort au début de la démo? Quoi, la dame, elle m'a attaqué. Et comment t'as fait pour crever au début? Je sais pas. Elle m'a violenté. Non! Alors, tu sais que j'avais déjà fait cette démo, mais je savais même pas qu'on pouvait mourir. Attends, mais t'es pas au début là, t'as dû reprendre où j'en étais l'autre fois. C'est Moi, standard. Personnellement, j'ai fait à peu près 1m50, j'ai fait demi-tour, je suis décédé. J'allais juste. J'ai pas aimé moi. J'avais ma manette, j'ai un peu peur. Parce un que tu t'y attendais pas! J'ai fait un peu. Non, mais elle bave devant toi. Elle bave, elle me voit dessus. Non, non, pas du tout, Guillaume. Non, là, j'ai commencé là. Il a commencé là. Oui, mais je peux attends, le refaire. Est-ce que je le refais pour non, voir mais attends, si tu je recommence il s'est levé. Non, je s'est vais pas levé. Il est rentré. Il est mouraille. On va le refaire. On va le refaire. Il est décédé. Non, tu commences pas au début. C'est pas le début. Il fait pas aussi sombre au départ. Si. Non. J'ai fait exactement la même chose. Il est quelle heure? Regarde. Ne regarde pas le téléphone. J'ai pas fait ça. Ne regarde pas par la fenêtre. J'ai pas. Ah bah tout à l'heure c'était pas ouvert, gros. Ah. C'est peut-être normal du coup. Non mais arrêtons de jouer. C'était la mauvaise sorgue. Voilà, là ça commence à être creepy. Et bah voilà, le jeu est fini. Non, 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 avance. Bravo, on arrête. Allez, hop, ah, mais c'est pour ça, si tu retournes pendant ce temps-là, tu meurs. Toi, tu fais la scène un peu. Moi, j'ai il y a plusieurs éléments, on a pas grand monde à définir ce qui déclenche. Comme chez les Diagos, il y a pas trop des touches, de toute façon, on va faire. Non, non. Que des attends, mais tu fais la même loupe là? Ouais. Ouais, c'est toujours, en gros, le jeu, c'est toujours le même loop, sauf qu'il se passe des choses. La porte, la salle de bain, c'est malsain. Les cadres ils sont bien. Et là le but c'est d'esquiver les trucs qui font peur là ou... C'est j'ai pas compris moi je comprends j'ai l'impression que c'est scripté. C'est de une ouf. Démo, c'est scripté de ouf. C'est une démo d'ambiance pour c'était pour vendre le jeu pour dire regardez on peut générer de la peur avec pas grand chose. Et la démo c'était juste ça. Ils l'ont posté il y a un peu plus d'un an, deux Genre semaines avant l'E3. En furtif. C'est vachement bien fait. Je t'explique l'histoire. Il n'y a personne, wesh. Ils l'ont posté il y a un peu plus d'un an, en furtif, 2-3 semaines avant le 3. Et personne ne sait ce que c'était. Et à le 3, ils ont mis à jour la démo. Et ils ont annoncé. Ah oui, au fait, il y a 2 semaines, on a posté la démo du nouveau Silent Hill sur Internet. Ça s'appelle Pity. Et du coup, les gens qui l'ont refait, qui l'ont reterminé, qui vont à la fin, une vidéo rajoutée où tu vois le mec qui marche dans la rue, la caméra qui remonte à son épaule, le mec qui se retourne. Le personnage c'est Daryl Dixon de Walking Dead. Oh oui. Ouais. Et ensuite t'as l'écran qui devient blanc genre brouillard de Silent Hill. Et il y a écrit Silent Hill qui apparaît. Et un peu après t'as un S qui apparaît à la fin de Hill. Donc Silent Hills. Et c'est soigné soigné. Faut te balader. Faut te balader, chercher, mourir, recommencer, balader, chercher. Ah, attends, comme ça. Le problème c'est que à force, ouais c'est super bien fait déjà de base, et à force, tu sais, tu prends une concentration qui fait que bah, dès qu'il y a un scanner... Quand tu meurs, bim. Ouais, qui apparaît. D'avoir le tableau un peu au-dessus de l'horloge. Sanction immédiate. Moi je suis pas très content d'être mort. Il y a un mec qui peut le dire.
Ouais, mais au moins, t'as découvert un truc. Quand tu sais. Mourir à ce stade-là. Je crois qu'il y a un truc qui arrive dans le tableau cassé. Non. Ah, il y a Burnova qui revient. Oh, Burnova, il est chaud. C'est les bouts de papier qu'il faut récupérer en assassin. I'm back. Yeah. On est content de te voir, mec. Alors, on est actuellement sur Pity, donc la démo de Silent Hill qui est pas très très agréable. Bah ouais, parce qu'en fait, Call of, il faut faire une mise à jour qui va durer approximativement une heure et demie, alors on s'est dit qu'on allait lancer autre chose. 30 minutes en vrai. En vrai ? Mais pour une bonne heure. Fais du commerce. Renaud qui a commenté sur ton truc. Moi qui me disais c'est rude le Rogue Legacy, apparemment j'étais loin du compte. Fais gaffe, c'est mauvais à toi. Là, on regarde la porte chaude. J'aime bien, tu sais, le décom qui arrive. C'était cool. L'idée du stream. Stream boisson sur les streams. Ah, il y a des gros cafards. Tu tournes, tu cherches les tableaux, la porte, la salle de bain. La boîte de tabac, la porte s'ouvrira. Merci. C'est mauvais plan. Il faut chercher. Faut chercher contre les murs, par terre et le téléphone qui a la porte. À partir du moment où faut chercher, c'est la porte. Allez, à faire le boss. C'est la porte ouverte à la peur. Moi j'étais mort en regardant le téléphone. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a reconnaît qu'on est René là, parce que j'étais crevé là et que j'avais. Moi j'étais mort aussi. On peut sauvegarder pour aller où ? On soulève des monstres ou comment ça se passe ? On soulève des gros beaux monstres. Bien dégueu. Bah là on cherche. Des petites filles. Il y a une nouvelle démo. Regarde une suite spirituelle à Pixie qui est sortie manifestement il y a deux jours. À ta droite. Il est toujours la même. Vers la plante, sur le PSN, ouais. Sauf deux. Il y a un truc à récupérer. Et je l'ai pas téléchargé, c'est pareil. Putain, mais le mec qui tombe sur rien qui fait peur depuis tout à l'heure, c'est genre la pression est à son comble, c'est de la merde. Non, mais c'est ça, cette démo, c'est ça. Allez, Yannis, regarde par la fenêtre. C'est sur le suspense que tu sais pas ce qui va se passer dans ta gueule. Peut-être à tout moment. Je pense que si la petite fille arrive, il y a moins que je renverse mon verre, donc je vais faire ça. Bois. Partiellement pissé dessus. La première fois, elle m'a sauté à la gueule. J'ai rien vu venir. Moi, c'est mort, j'ai joué à peu près. Ça, j'ai rien d'être. Ça a été le cancer. Salut. On est toujours avec le nom Rogue Legacy, on est d'accord. Ouais, faudrait que. Donc les mecs sont pas dégoûtés. Tu peux le modifier, je crois, Johan, vu que t'es sur le compte. En haut, tu peux mettre modifier. Tu peux modifier le jeu. Mais dis pas ça. Et modifier le trick. C'est pas commercial. Je suis pas commercial, mais je touche le bleu. À toi, Johan. Oh, Yassi, c'était pas vraiment vers le bas. Démo. Enfin, on les soulève, Yass, et tu gères. Et pas nous tenir au. Oh. Ah, on a une deuxième personne complètement défoncée. Et pas nous retenir. Qu'est-ce qu'il dit, la fougère, quoi ? Ah merde, la fougère, c'est. Enfin, mais pourquoi on. Je mets Silent Hill, du coup. De internet, je me dis, c'est impossible de finir ce démo. Non, moi, personnellement, j'ai joué une minute. Attends, je vais aider. Ouais, parce que. Non. Moi, putain, je fais tout. Je pensais ça plutôt. Ouais. Ça m'a très ennuyé de laisser des. Ah, c'est impossible de finir cette démo apparemment. Ouais, mais comme je l'ai dit, moi j'ai joué 1 minute 30, je suis décédé, donc je peux pas dire. On les soulève, dit à cette fougère de pas nous retenir. Oh. Je finis. On dirait Yannis. On a quand même des contradictions dans le chat. On nous dit que la démo n'est pas finissable et il y a un mec qui débarque direct. Ah, c'est des Menem ou pas? Est-ce que c'est des vrais Menem? Je crois que c'est plutôt des Skittles. Ah ouais. Ouais, enfin là on connaît qui pas. Qui est pas le noob? On a beaucoup de viewers là. On est à la deuxième salle, on a passé une fois le couloir. On est pas au début de la démo, j'y ai déjà joué, on n'est pas revenu. Ça se sauvegarde pas, gros. Si, les bouts de papier là tu les ramasses au fur et à mesure. Il y en a déjà 3. Ah, mais c'est là où il te manque un bout de papier. Bah oui, il est introuvable. Non, mais alors là tu regardes pas, tu regardes en bas. Tu dois être posé. Derrière, dans l'interstice du mur. Il faut que tu la récupères avant que tu décédais. Il y en a en haut, genre. Non, mais ça vit. Non, mais les morceaux de papier sont impossibles. Eh ben, Raging, faut que je fasse quoi? Appuie sur X sur la photo à côté de la radio. Allez, fais ça. Mais j'ai pas tous les morceaux, t'es sûr que c'est ça? Et ouais. Y'a bout de photo. Y'a bout de photo? Y'a bout. Attends, mais sur celle-là ou sur l'autre? Bah, fais sur tout, toi. Non, à côté de la radio. Celui-là, à côté de la radio. C'est un boom. Ah, mais c'est pas la radio, c'est ce que c'est le réveil. Ah, mais j'ai pris radio réveil, la radio c'est là-bas. Mais. Énergie. T'as dû te faire mal à la bite à force d'y jouer. Voilà. Appuyons sur X. Et voilà. Effectivement, Raging est un connaisseur. Donc là, à tout moment, on peut se faire chier dessus par la petite fille. Là. Merci, Raging. Oui. Les morceaux, c'est facultatif. Ouais, mais là, en l'occurrence, sans ça. Passe la manette, t'as fait une sale. Grosse bite, c'est facultatif. Pas à moi. J'ai déjà fait, passe à Bobby. Bobby. Moi, je prends pas perso. Il y a des gens. Il y a de l'eau par terre, je crois, j'ai l'impression, je sais pas, je suis pas sûr. Tu t'es fait dessus, Bobby. Ou alors c'est trop brillant. Cherche les morceaux dans les tableaux. Les os.
Mais là, c'est la même salle, ça. Si quelqu'un peut nous expliquer. Quelqu'un m'a perdu les autres. C'est une démo. De scénario. Il n'y a pas de scénario. C'est une démo simplement technique qui est déjà en qui voulait mettre son bébé dans le micro. Oui, ça résume bien le truc. En vrai. T'as raté l'écriture, c'est ce qu'il fallait. Trop et tard. Pourtant, t'as raté. C'était exact. Attends, mais il y avait pas de place, donc elle a essayé de le noyer dedans. Je crois que c'est une histoire, c'est un conte. Dans l'évier. Dans l'évier, bien sûr. Est-ce que les commentaires sont limités? C'est pas un bébé dans l'évier, c'est un fœtus. Bobby cherche les photos, cherche à côté de la plante par terre. Chacun une à ce moment. Et il y en a un dans le menu, si on augmente la luminosité, mais je l'ai peut-être déjà pris dans mon ancienne partie. Je sais où j'en suis. Ouais. Ah, tu t'es fait chier dessus un peu là. Ah, c'est rouge. Ah, fort bien. Moi j'irai pas là-bas. J'ai peur. Oui, ouais. Parce que on joue avec pas beaucoup de son parce que sinon. Ouais, est-ce que t'as pas peur de tourner la tête là à côté de ta mouille? Non, avance tout droit gros. Bon, bah les couilles. Bon, bah les couilles, je fais 3-6. Si elle va te vomir dessus, ça fait gaffe. J'ai peur, il dit Bernova. Ah, ah, il y a du sang. Avance un peu gros. Avance. Rien. Tu auras un peu du sang sur ta jaquette. C'est un frigo. Après avoir tué sa famille, le père s'est pendu avec un tuyau d'arrosage qui était dans le garage. Et il y a une démo qui est sortie manipulement dans la suite spirituelle de Pixar. C'est bien et auquel j'ai pas joué. Il y a des fans qui font. Je viens de le lire en fait. Dû au jeu annulé. Passe, bon, on s'en fout du frigo. Soit avec Souma. On s'en fout du frigo. Est-ce que tu as entendu que le réfrigérateur. Ah là, il y a quelque chose marqué là. Le réfrigérateur est un sous-marin du swag. Forgive me, Lisa, c'est un moment intéressant. Swag sous-marin. Swag. Ah, c'est bon, ça. Mais pourquoi c'est toujours la même salle, c'est chiant. Parce que t'es dans un paradis. Ça. Inception. Ça augmente. Faut que je picole. L'impression donc, anxiogène. Je comprends pas comment j'ai pu crever tout à l'heure dans un jeu pareil. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Rien bah, particulier mal, parce qu'en fait t'es rené dans la salle où moi j'étais crevé la dernière fois, j'ai quitté le truc. Oh gros, où est-ce qu'il y a les enfants qui bougent? Recule. Là. Il y avait la salle de bain ouverte. Ouais, la salle de bain ouverte. À droite là. Qu'est-ce qui se passe là? Sympathique ma foi. Regarde dans l'évier. Regarde dans le miroir. Un fœtus dégueulasse. Un fœtus dégueu. Dans le miroir, je suis pas chaud. Dans le miroir, y'a rien. Même la tête. Le fœtus, ça a passé la tête là. C'est pas possible. Bah, c'est un fœtus chelou gros. Le fœtus, ah, ça crie, c'est le fœtus. C'est le fœtus. C'est le fœtus qui crie. C'est le fœtus qui hurle, regarde. Je peux pas le défoncer, j'ai mais pas. C'est pas un fœtus, ça c'est un haricot. Non, mais ça, on va dire que c'est un fœtus d'alcool. On dirait une betterave en fait, effectivement. Il traîne dans son vomi. C'est peut-être un fœtus de betterave. Un fœtus de betterave. Donnez-moi le whisky. Avance, Bobby, avance. Donnez-lui le whisky. Non, en plus, je suis chaud de te voir te faire choper par la fille et te faire dessus. Ça va éclater. En plus, j'ai envie de pisser, mon gars. Il va se pisser dessus, sa race. Ouais, mais là, il se passe rien, là. Mais c'est bon, c'est le truc, c'est l'ambiance, ça te fait peur. Il se passe bien, mais t'as quand même peur. Il y a pas besoin de jump scare pour faire peur. C'est ça que veut dire Silent Hill. Il y a pas besoin de screamer pour faire peur. Y a pas moyen de loop tranquille, ça bug toutes les 10 secondes. Ah, tu tournes dans cet endroit, il y a une dame. Et c'est ta faute ou c'est la porte ferme? Parce que moi en général les gens ont pas de soucis en regardant. Et nous notre vidéo qu'on regarde ici alors qu'on aimait et qu'on regarde depuis Free on... Ah ça doit être Sako je pense. On a pas de problème Free. Ça doit être Sako qui est peut-être pas ouf. Moi c'est vrai que je suis chez Free mais en centre-ville donc en général ça passe bien. Passe à la fibre vous. Ouais c'est vrai que Free en centre-ville ça passe. Moi je peux pas avoir la fibre, je suis pas légitime. Je vais en Europe en même demandant à Amy qui a toujours voulu manger dans ce frigo personne moi aussi. J'avoue. Essaye de l'ouvrir, essaye de voir ce qu'il y a dedans. Ça pisse le sang de garder la bonne bidoche bien fraîche. J'avoue. D'ailleurs une personne en fait. Un bon je peux pas là où j'habite. Un bon gibier. Enfin moi ici non plus. Check c'est pas le fœtus. Mais je suis quand même en centre-ville donc il y a quand même une bonne chance. Check la baignoire bien sûr. Bonjour. La baignoire. La baignoire c'est de l'eau stagnante. Et le jeu il dit. Oh y'a au fond. Hush la rousse. Hush. La personne de rousse. Bah t'as raté le plus gros du show. Ah bitch. Là c'est très sanglant par terre si tu remarques. Ah mais le frigo s'énerve. Et le frigo s'énerve de plus en plus. Le mec dans le frigo n'est pas spécialement. Mimi, viens ici. Manger. Avance, va à la salle d'après, il va peut-être tomber, il y a peut-être des choses qui se passent. Salut, vous allez bien, mais bien sûr et toi? Eh oui, nous allons bien et toi mon ami?
Nous sommes en ivresse actuellement. Tu sais qu'il nous entend, Johan, tu peux lui parler, hein. J'ai laissé son du jeu. Mais il a la réponse 20 secondes après. Il fait un peu le modérateur en soi. C'est pas faux. C'est pas faux. Speak English, this is Marie. What? Hello my friend, welcome on this demo of pity. Yeah. Ah bon, après on peut pas aller plus loin. Mais... Gun freedom, Texas. Look the fetus, look the fetus, look the fetus. Le fœtus c'était pas propre. Je mets quoi sur le fœtus? Regarde le frigo. Check une phrase sur le fœtus, quelqu'un? Moi ça va. Non. Check le frigo. Fœtus nique ta mère. Fœtus comestible. Le fœtus comestible. Non mais non, ça on l'a déjà fait ça. Regarde le frigo. Frigo. Ah. Il me semble qu'il s'énerve quand même. Il y a des cris ou pas? Oui, des cris d'enfants dans le frigo. De fœtus. Mort. Et vous êtes combien? Nous sommes actuellement 6. Oui, on est 6 puisque les packs étaient 6. La meilleure team de Pokémon vachement monde. Bien. Ah, c'est vrai, c'est pratique. Ah, mais vu qu'on a un jeu check le fœtus toujours bien sûr. Hors camp, putain. Deux hors champ, c'est ça. La baignoire, gros. Le frigo. Il n'y a jamais rien dans la baignoire. Bobby, le frigo, éventuellement. Si on souhaitait. Il n'y a jamais rien dans la baignoire et le frigo non plus. On fait pipi à un moment ou pas? Mais il y a sûrement quelque chose à activer par contre. On met call off. Ouais, sur ma chaîne YouTube, Breezy Gaming. Si tu chopes renversé demain, je demande un contrôle d'hygiène. Tu as tout compris, on est à la cantine de l'école. C'est complètement justifié. Bobby, envoie la manette. J'ai envie d'avancer dans ce monde. Ouais, et n'hésite pas à cliquer sur des trucs pour déclencher des événements. Je suis en total cul pour mourir, donc peut-être qu'on va se faire. Moi, la dernière fois que j'ai pris la manette, j'ai pris 1 minute 30. Donc c'était sympathique, moi. Non, faut pas donner à lui, il meurt tout de suite. La photo de boum, j'en ai tout. Moi, je prends la place. D'un seul boum. D'un seul boum. Si vous voyez des morceaux de photos, vous me demandez. C'est mon téléphone. Hyper planqué comme des hey. Le paquet de Skittles. Ce serait pas une connerie. Non. Raging, t'es toujours là. Tu sais où sont les autres morceaux? Il y a un décalage de ouf. Ouais. Et ouais, pourtant je passe par la play, donc il devrait pas y avoir un décalage. Est-ce qu'il n'y aurait pas un morceau dans le fœtus? Quelqu'un a cliqué. Plus de 1 minute de décalage. Ah ouais, c'est chaud. Ah, on est là-dessus. Johan, on a vraiment une minute. Nous, on est à 17-18. Et là, 17-3. Attention. Non, c'est pour envoie toi. Le message. Non, arrête. On a le chrono sur les deux, on s'en branle. Ah ouais, pour bon. Nous, on a un peu moins de 20 secondes de décalage. Au niveau son, image? Non, au niveau image, image. Image, juste. Enfin, image et son. Au niveau transmission, en fait. Puisqu'il faut que ça aille au savoir Twitch et que ça revienne. Vous voyez après la vidéo. Et du coup, ça veut dire quoi? Ouais, ça, c'est des choses. Bon, au niveau des morceaux de papier, je sa vidéo, je le quoi. Portefeuille. Ah, regarde plus haut. Oh, ce serait pas un frigo complètement dingue. Le porte-manteau, et ensuite regarde dans le menu sur la luminosité du cerveau. Hein, du menu dans le cerveau. Ouais, bien sûr, c'est start. Ouais, et s'il y a pas. Ah, il y a marqué Hell à la fin. Ouais, ça s'est rajouté. Ah, c'est ça, il faut le regarder. From Hell. Il faut regarder le mur, il y a elle qui se rajoute et normalement on va voir progresser. Donc là j'espère qu'à tout moment je vais. Ah! Non, c'est vrai qu'il y avait rien. J'entends du schcruck. Pour des cachements. Ouais, ça a zoomé un peu. Attends. Là il n'y a rien de nouveau donc. Faut pas hésiter à regarder les trucs. Là je crois qu'on a passé la porte de façon stylée donc ça a changé. Je crois qu'il y a du sang toutes les minutes. Tu peux me passer un truc pour décapsuler si tu veux. Ça va. Putain, on est passé à minuit, on a avancé, Julien. Alors. Quoi? Alors. Alors. Quoi? Progression? Au niveau du décès, mais Guillaume Radio 2.0 sur la radio STP. Alors là, comme ça, non. Il y a décalage de ouf. Alors, John Kennedy, toujours pas. John Kennedy. Kennedy. Croiser la gamine et ça fait un peu. Faire pipi sur nous. Donc, est-ce qu'on donc, a déjà sur... ah, plus frigo. Il y a écrit Hello à chaque fois que vous vous tournez 300, il y a une lettre qui disparaît. Et ça fait qu'il reste que l'eau après. Va voir le téléphone. Oui, non, attends, va dans l'autre sens. Est-ce que... Va voir le téléphone. Et j'ai le droit de me faire caca dessus. Mais oui, au faut, tu as le droit de faire caca sur toi-même. ainsi que sur les attends, gens... Attends, c'est quoi Hello quoi? À côté du attends. Téléphone, il y a écrit Hello. Oh. Et à chaque fois que tu fais un 3-6, manifestement, il y a une lettre qui disparaît. Hello. Regarde bien autour, il doit y avoir un papier avec écrit Hello. Rapproche-toi. Hello quoi? Hello. Regarde autour Hello du téléphone. Kitty. Hoche, il y a marqué Hoche ici. Momo, t'as pas des pieds s'il te plaît. C'est non, c'est Yannis qui m'a frappé. Non, mais attends, je sais non, où il est, mais l'eau, il est contre le mur, qu'est-ce que tu racontes? Mais non, c'est le L. Mais là, il y a marqué L, ouais, mais il y a un truc qui a disparu. On va faire un petit 3-6, on meurt. Il y a rien qui a disparu. Olé! L. Elle est peut-être dans l'autre sens. Olé! C'est en ça que les gens s'apparaissent. J'ai entendu des bruits. Moi
Faut faire disparaître toutes les lettres. Faut pas faire disparaître toutes les lettres. Mec, il nique le suspense. Faut pas faire disparaître. Tu niques le suspense, gros. Parce que ça impliquerait un décès. Ah. C'est pas la même, hein. Regarde les tableaux. Julien, là, faut courir. Cours, continue, t'arrêtes pas. Quoi? Tu t'arrêtes pas. Pardon? Cours, droite. Cours. Ouais, j'ai compris. Sauf que c'était gauche. L'autre droite. Cours. Droite. Cours. À un moment, t'auras la salle de bain ouverte. Droite, t'auras aller dedans. Cours. Gauche. Cours. Droite. Cours. Non. Gauche. Droite. Il faut s'arrêter quand t'es sur le mur. Gauche, la salle de bain. Et. Droite. Tu crois que t'as un. Ah, raté. Ah. Je fais quoi? Regarde la baignoire. Il y a un trou dans le mur. Pas du tout. Sauf qu'il faut que tu le regardes de l'autre côté. Quoi? Donc il faut que tu continues à tourner et que quand tu sois oh le mur contre la baignoire, tu fasses je retourne dans le couloir. Oui, mais que tu continues à tourner dans le même sens. J'ai vomi. Non, j'ai vomi. Tu recroises le trou dans le mur. Là, si je tourne vers le couloir, il y a des trucs ou pas? Non. Ouais, pas sûr. Ça devrait aller. Mais tu rushes. Et tu cries pas, s'il te plaît, mes voisins vont gueuler. Non. Là. Non, t'as raté encore. C'était pas là? Il y a un trou. Il faut que tu croises le trou dans le mur. J'aime pas. Non, mais non. Mais c'est toujours pas. C'est pas là que tu dois regarder, c'est encore. C'était là peut-être. Non. Ah, peut-être. C'était là peut-être. Vous me dites, alors moi au final je vais courir, puis ça va me gaver. Hein. Moi je trouve que courir c'est cool. Hein. Oh là là, putain de merde. Pourquoi faire? C'était là peut-être. C'est très silentilien ça comme scène. Non, mais je vais où, franchement, aidez-moi, je vous en prie. C'est pas silentilien. Cours fort. Là, cours. Non, démo qui sont sortis. Guillaume, aide-moi, je t'en prie. Là? Non. Si. Peut-être là? Non. Non, mais si, c'était sur la droite. Gros, j'ai déjà fait un loop, hein. Putain, il faut faire plusieurs loops. Il est inépuisable, les gars. Le frère raté. Mais quoi? Je sais même pas ce que je cherche, putain. Un trou dans le mur. Même dans une maison comme ça, je suis même pas sûr. Un trou, genre un petit trou noir comme ça. Un petit trou noir tout pérave. Mais je suis censé voir ça alors que je suis en train de courir pour chasser par une saloperie. C'est ça. D'accord. C'est bientôt, je crois. C'était là. Tu me dis. Là? C'est bientôt là. Non, mais c'est trop tard. Non, arrête, c'est bientôt. Ça devrait être là. Là? Sur le j'ai raté. Il faut que tu appuies sur X. Carré. Carré, triangle. Rond. Des choses. T'es mort, va-t'en. C'est l'inverse, mais depuis la salle de bain. Donc quand tu as une salle de bain, c'est tellement n'importe quoi. J'ai vos jeux. J'étais sûr que c'était de l'extérieur. C'est vrai que putain, je suis rapide, hein, Usain Bolt. J'envoie une botte de baseball. C'est vrai que je suis. Si je me retourne. Non, pas celle-là, elle me garde celle-là. Ouais, t'as gavé. Voilà, là il y en a une bientôt, s'il vous plaît. Alors là, on est plusieurs, on fait nos malins. Faut s'imaginer quand tu fais la démo dans de vraies conditions. Moi j'aurais arrêté depuis à peu près une minute de course. On fait un peu pipi sur nous. Attends, tu dois avoir un angle où tu dois pouvoir voir à travers. Là, tu vois, tu vois quelque chose. Putain, ça doit être pareil de l'autre côté, ça se trouve que tu es mal placé. C'est bon, j'essaye. Moi personnellement, j'arrête. Histoire de ne pas décéder. T'es pas parti sur mon côté. Et moi franchement, je fais. Ouais. Mais tu sais que ça va, je crois que tu peux marcher en vrai. Pas. Il y a vraiment des pubs. Non mais je crois qu'en fait t'es pas du tout pour chasser un coup. Tu prends une batte de baseball. J'aime bien le. C'était là qu'il fallait regarder. Non. Aérodynamiquement c'est bien. C'est possible. Attends, c'est couvert, mais je sais pas. Est-ce que là. Aérodynamiquement. De l'autre côté. Essaye de l'autre côté. Quoi de l'autre côté? Est-ce que pourquoi ce trou? Glory hole. Positionne-toi, recule un peu. Vise le trou, recule même ta meuf te le dit. Recule un peu, putain. Voilà, là t'es bien, voilà, là c'est parfait. Cours, fuis. Mais c'est qui la meuf de qui? En fait, je crois que t'as pas besoin de. Non, même ta meuf, genre ta meuf. Vise le trou, même ta meuf, tu vois, c'est. Ah ouais. Zoom dans le trou, zoom. Apparemment, c'est pas. Ah, c'est ça, zoomer. Putain, mais gros, t'es sérieux. Faut zoomer dans tous les trous, je crois, peut-être. Non, mais décale-toi. C'est quand tu vois un truc blanc, peut-être. Oh, on est nul à chier. Ouais. Zoom dans le trou, il te dit. Je crois faut zoomer dans le trou de l'extérieur, putain. Mais oui, je t'avais dit que c'était de l'extérieur. C'est vrai que par contre, c'est totalement intuitif, hein, je veux dire, le truc, t'y penses direct. Ouais, genre là, tu fais. Genre, il y a un trou dans le mur de 200 mètres. Bon, j'ai fait 4 fois le tour de la maison, qu'est-ce que je dois faire? Vous vous rendez pas compte que la première fois que je l'ai fait, j'ai tourné pendant 10 minutes. Hein. Ouais, ouais. Bah, c'est à peu près ce qu'on est en train de faire. Hein. Heureusement qu'on a des gens plus sensés. Oh là là, c'est pirage. Faut faire quoi? Donc, on regarde le papier de toilette. Là, moi je pense que c'est au niveau du miroir. Ah, tu sais qu'il y a du monde là. Mais non, miroir, s'il vous plaît. Putain, ta mère. Ah, j'avoue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quoi, 7 quoi? 7 joues et ah oui? Alors, oui?
Oui, des toilettes. Mais non, mais... Ouais, des toilettes. C'est le moment d'agir. Ah, faut aller au chef. La société est pourrie jusqu'à l'os. J'ai mis une semaine à se dire cette vidéo. Je pars d'ici, tout c'est bon, c'est d'autres personnes. Mais attends, t'as habité les chiens, il s'est passé quoi là, j'ai... Bah, il y a un dialogue qui s'est acquis. Bon, d'accord, envie de partir, c'est les chiens qui restent. Moi, je dirais rentre dans la salle de bain. Non. Si, tu fais ça maintenant. Tu veux t'arrêter où il y a que ça de toute façon. Et là, tu zoomes. Et là, bien sûr, qu'est-ce que tu vois le couloir. Absolument rien. Mais merde. Bah, regarde peut-être. Mais arrêtez, il faut lire les inscriptions. Zoom les fœtus. Il y a celle dans le chat. Ils ont volé le fœtus, ces chiens. Ils ont volé le fœtus. Bah, arrête-toi devant le trou. Hein, ça, putain, ils ont volé notre fœtus. Je sais bien. Ça se fait pas voler. Tu peux faire quoi maintenant? Stylay. C'était pas. Stylay. Le trou bientôt. Eh, sur le chat. T'inquiète. Zoom, c'est à la fin de la cinématique. D'accord. Ça trouver une solution. Là, plus l'intuitivité maximum, quoi. Donc là, tu restes comme ça. Non, zoom les toilettes. Ah, zoom les chiottes, zoom les chiottes. Je vais zoomer les chiottes, c'est plus sympa. Il est où le bébé? Elle est partie, le bébé. Il est où le magno? Il est où? Ils ont mangé le magno? Bah alors pareil. Et j'ai rodé, et j'avais jamais rodé que la scène avec le magno, c'est tiré à Jurassic Park. Ouais. Honte à moi. Ouais. Bien sûr. Et donc, du coup, je vais mater la cinématique en buvant du Jager. Alors, ce qui est très classe, Guillaume, c'est que sur la vidéo, on a pris notre verre, on l'a posé en même temps, je viens de le rôder. Bravo. Et jetez-vous des fleurs, faites-vous des messages, faites la main. Vous pouvez arrêter? C'était bien? Quoi? No turning back. Là, tu cours. Là, je pense que tu cours maintenant, par contre. Non, par contre. Je peux plus courir. Et bah, tu vas faire demi-tour. Je peux accessoirement me pisser dessus. Il y a des yeux partout. Non, mais ça, il tourne déjà avant les yeux. Non, mais. Fais demi-tour. Non. No turning back. Juste regarde derrière un style. Non, mais tranquille. Ouais, mais si c'est pour perdre la démo après. Oh, la petite bite. Voilà. C'est là-bas. On est sorti. Et là, c'est la fin. Il y a la meuf qui arrive. Et c'est excellemment silentilien, la démo elle est géniale. Tu t'en pisses vraiment en tweet. Depuis quand tu sais qu'il faut regarder, zoomer dans le trou, faire deux fois. Déjà, je savais pas qu'il y avait un bouton zoom. Genre, faire 4 tours sur là, toi. Là, avant la porte pour l'ouvrir, il va falloir faire deux quarts de cercle, rond, triangle, croix. À bouquin. Allez, l'étape finale, c'est pas fait. J'ai essayé de faire. Moi, je ferais peut-être une salle ou deux, mais si ça va plus loin. Ça va mieux. Parce que moi, je me suis déjà fait vomir dessus par la dame, donc je suis pas très content. Il n'y a pas des photos en plus. C'est à ce moment-là où la dame est au bout du couloir et après tu te fais dessus? Non, c'est avant, je crois. Ouais. Ah, les toilettes. Donc, du coup, j'ai joué à Street Fighter sur des bandes d'arcade. Bonjour, je m'appelle Robert. Hadouken, je suis regardeur dans le trou. C'est exactement ça. Ton pull est stylé. T'as beau essayer de faire les quarts de cercle sur la bande d'arcade, c'est Attends, ce qui est énorme, c'est qu'il a réagi quand même. Moi, quand tu vas devant la porte et sur la porte, il y a marqué Don't turn back. Ouais, c'est ça. Ou que la radio te le dit. Est-ce que je et là, tu fais. Looké Alison Rowe, putain. Tourne-toi, géant. Tu peux pas. Ça va. Il y a un étage là-haut. Ouais. Ambiance de zoophile, c'est pour toi, Jésus. Je suis pas super chaud actuellement. Regarde la caméra. Ouais, il y a des trucs qui fait. Quand il y a des critiques, tu peux crever. Alors fais attention. Je crois que à cette épatape, moi je suis déjà mort. À cette épatape. Mais je suis censé faire quoi? À cette épatape. Ouais, effectivement. Digimon. Arrête, monstre. Digimon, un peu de respect, il se transforme en Gémon. Les 0-0-0. Bonjour. Ah, le bout de papier est là, Gérard. Le bout de papier, où ça? De l'autre côté de la plante, regarde. Par terre, là. Ouais, tu le vois? C'est une bouteille. Non, là. Dans la plante. Là. What? J'y vais maintenant. Alors, je crois que j'ai cassé. Je crois que j'ai cassé le jeu vidéo. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Temps et. Et là, la plaie tourne, elle fume. C'est la fin? Et ben voilà comment on fait une démo. Faut attendre une minute, j'ai rien touché moi. Faites attention, entre les membres de la porte est une réalité séparée. Le seul vrai moi, c'est moi. Et bien sûr que le seul vrai vous, ce soit vous. Ouais. Oui, pour faire des choses. Faut attendre 1 minute 30 quand t'es à l'étape finale pour qu'il y ait l'écran bleu. Je fais quoi là? Tu rejoues et tu peux sortir par la porte d'entrée à ce moment-là. Donc on va tenter de faire ça. C'est pas la fin. C'est pas fini, étape finale. Bon, et salut, démo Sophie. Oh là là, quelle horreur. Bonsoir, démo. Bonsoir. Regarde l'heure. Salut les gars! Eh, il est minuit 10 ou quoi? Eh non! C'était au moins minuit 10 quoi! C'était au moins minuit 10! Bonjour, comment j'étais fatigué!
C'est une nuit avant la fin du monde. Est-ce que je rentre dans la salle dedans ou pas? Est-ce que tu fais demi-tour? Pose tes couilles. Non, non, non. Pas d'entrée. Voilà. Voilà. Alors, au niveau de la porte d'entrée. Retourne-toi. Non, attends. Mais c'est quoi cette lampe de merde? Ok, bon bah continue la porte d'entrée. Là. C'est une lampe à UV, gros, t'inquiète. Je suis le véritable créateur de la chanson des petits trous. Excellent ça, excellent. Et le PQ pour ton trou-trou? Eh, petit. Et là, changement de lampe d'orge, instantanément. Pour mon trou-trou? Toujours sur du 23. Alors là, si vous trouvez la soluce solo. Je joue 4 PS4 MGS 5. Alors moi, je veux bien. Va sur internet, moi. PS4 gratos. Bon, on va rentrer là, hein, parce que c'est pas ce que je fais. Genre, alors, nous 4 PS4. Ah, encore un fœtus. Il faut regarder à travers le trou du fœtus. la baignoire est remplie. La fin est sur ta... Bah alors, sur le coup, sur le chat, si vous voulez nous voir galérer, n'hésitez pas. Mais si vous avez une idée, moi je suis chaud aussi. Putain, c'est pas là où faut que je tourne sur moi-même ici là. Ah ouais, essaie de faire ça. Là. Il nous. Peut-être dans l'autre sens. Ça veut rien dire. J'ai à tout PS4, moment, je m'attends à me faire dessus. MGS 5. Mais il a raté. Bon, là, on a changé. Ce que tu pourrais faire, c'est jamais te retourner et continuer à aller. Ouais, voilà. On se dit qu'on a changé de lampe, donc probablement c'est sympa. Reste à côté du réveil. Non. Non, non, pas du tout. Moi, je vais refaire un tour. Ah oui, oui. Oui. Pas écouter. Non, réveil, putain, mais les câbles. Bon, la fœtus, on connaît. Non, il y a peut-être pas la fœtus. Non, non, il y a une dame qui va apparaître. Juste au son de cloche minuit. J'aime pas trop ce que tu dis. Je pense que c'est la solution pour mourir. Je l'ai fait. Enfin, j'ai mis une tonne de temps à la faire cette démo, mais. Bah, y'a un mec qui a dit qu'il a mis une semaine, genre s'il a joué. Bordel de merde, restez là. On va rester non, là. Non, reste pas là. Non. Y'a des bouts de papier, zoom dessus. Tu peux arrêter. Le bon zoom. C'est quoi déjà? Clic joystick. Ah oui. Non, ça fait chier. Pourquoi ce zoom assez. Attends, parce que moi je vais chercher un petit papier. Attends, ouais, je vais regarder. Non. Non, on reste à côté de la radio. Clic sur le bout de papier dans la plante. Zoom dessus, appuie sur X. Regarde bien tous les détails. Oui, c'est un bout de photo, appuie sur X et tout. Poiso, un espagnol, Rolo, je sais pas quoi. Si, moi, je connais. Attends, non, c'est là où faut vraiment choper tous les papiers. Attends, non, regarde le détail de l'horloge. Il a dit. Mais genre le reflet, etc. Voilà, à sa place, je prends la porte. Regarde bien si tous les détails. Ouais, voilà, là, c'est le moment où je crois qu'il faut choper les papiers. Non. Ouais, non, mais si tu prends la porte pour te casser, tu re-rentres dans la même salle, ça sert à quoi? Un devant la commode, ouais, voilà, tu as Redging, porte d'entrée, tu veux. Non, mais ça, c'est que ça, tu as envie d'une minute. Y'a pas que toi, t'inquiète. Ah, dans le même mot. Ah, là, faut se barrer, casse-toi vite. Je fuis. Casse-toi vite. Non, non. Ah, mais là, tous les coups, y'a la dame. Y'avait un truc par terre. Arrête, y'avait rien par terre. La porte d'entrée, la porte d'entrée. Non, pas la porte d'entrée. La porte d'entrée, on a dit. Non, non. La barre-toi, la barre-toi, c'est pas mal, c'est pas mal. Un, dans les escaviers. Voilà. Là, ça a changé encore. On est revenu à 23h59. Il fallait prendre la sortie, t'as fait quoi? C'était fermé, gros. Et alors, tu cliques sur la porte, donne-moi ça. Attends, on va attendre, on va choper le papier. Bah, je vais chercher les papiers. Non, le papier, il n'y est plus, vous l'avez déjà chopé. Ouais, mais on a deux. Les escaliers avant la sortie, je sais qu'il y en a sur la commode, par là, il y en a deux. Un tout en haut, un dans le coin, voilà, là, il y en a un. Oh, yo! Prends-moi un verre, s'il te plaît. Le papier de pute. Un verre, s'il te plaît. Un verre. Recule un peu. Ouais, comme ça, je sais. Si, ah, mais gros, recule, putain. Comment tu l'as mis celui-là? Tu vois le bout de. Ah, ouais, d'accord. Voilà. Y'a pas? T'as plus de verre, gros? Ouais. Attends, un vendre à faire côté d'une. Ah, mais... ah, les escaliers. Là, je te conseille de jouer dans une pièce parce que t'as les Grimsy, tu vas peut-être mourir. Ouais, je fais trop chaud là. Non, mais dans le doute. Tu retournes pas? Retourne. Cesse? Ouais, y'en a un dans l'escalier, je crois. Voilà, là. C'est que les mecs sont pas inspirés. Par contre, j'aime bien ouais, les sous-titres en magie que t'as déjà joué à Dragon Ball. Bah, se marrer. On soit heureusement. Oui, mon pseudo vient de là. Eh, Ranging à base de DBZ, c'est excellent ça. DBZ, la porte. En haut à gauche. Eh, y'a une marcasse là. Y'a une marque. La porte d'entrée, y'en a pas. Y'a des trucs écrits là. Ah non, c'est une marcasse. Oui, moi, détends. Tu sais qu'ils sont vraiment mes miettes dans ma pute. Les nettes psychologiques quand tu dis le jeu. Oui. T'as un numéro vert à tout moment. J'ai déjà pris celui qu'il y a dans le cerveau, je crois. La plante s'est fait. Là, il y en a, gros. Il y en a un autre ici. Hein. Je crois sur la commode ou dans le coin de la commode quelque part. Et je viens d'en prendre un dans le coin. Ouais, ouais, mais il y en a un autre, je crois, ici. Mais je le vois pas. Et ensuite, je suis mort ici, au coin. Tu dois aller vers la radio à 00 et la radio réveil. Vas-y, on fait ça, on s'en bat les couilles des photos. D'accord. Là, c'était dans le coin du plafond, juste après la porte de la salle. Après la porte, du coup. L'après, c'est à. Donc, tu passes la porte de la salle de bain et c'est après. Voilà. Ah, dans le menu, on pose. Ouais, le menu pause, après, le menu pause on l'a chopé genre. Genre plafond là, juste après la porte, par là ouais. Non mais voilà, voilà. Voilà, je veux dire on en est là tu vois.
Pourquoi tu sais ça, quoi? Non, mais ça, c'est des trucs genre. Ah, ça, c'est de l'allemand. Cette démo, genre, moi je l'ai déjà vu une ou deux fois en soirée à droite à gauche. Non, mais heureusement qu'il y a le chat, gros, c'est pas moi qui chie. Ah. Zoom la radio, gros. Oh, les gars, zoom la radio. Attends, attends, chut, chut, faut qu'on écoute. A priori, il y a rire de bébé. Rire de bébé, puis réveil, téléphone. Mais donc, il y a Tenkaichi, c'était la folie, mon gars. Mais Tenkaichi, de toute façon, de base, Tenkaichi 2 et 3, ouais, c'était, ouais, c'est vrai que c'était des excellents jeux. Non, mais regarde, le premier morceau-là. Même le premier Tenkaichi, t'es juste. Moins. Le 2 et le 3 sont quand même excellents. Non, mais moi, de toute façon, celui Tenkaichi, c'est sur la luminosité, je l'ai déjà. Ouais, mais c'est bon, bah, on s'en fout. On regarde le réveil, là, rire de bébé, tout ça. Mais effectivement, Tenkaichi, la base. Bah moi j'ai pas joué à Raging Blast. Ah ouais? Non, j'ai pas essayé. Non, mais ce que je veux dire, c'est vrai que Raging Blast est meilleur, dans le sens où moi Raging Blast, j'en ai pas entendu bien, et beaucoup attendent de Xenoverse, là, qui va sortir, enfin qui est sorti. Il y a déjà des gens qui ont pu jouer en ligne. Mais Xenoverse, moi, on m'a dit, ouais, il y a pas tous les persos. Un bébé rira une première fois. Pas d'un coup, et le bébé rira une première fois. Oh, wow, wow. Ce bébé là, ça. Celui-là là, ce bébé n'est pas littéralement pas en état de rire. Ouais, c'est pas un bébé. Pour moi, Tenkaichi, je pense, c'est le meilleur. Il est complet, il y a tous les personnages, c'est vrai qu'il est excellent. Je suis désolé. Alors que là, dans Xenoverse, il n'y a pas trop d'évolution de perso. Je sais pas trop, je me suis pas plus intéressé que ça. C'est non, que mais ils ont pas mis trop de transformations en combat en fait. Là, faut aller au téléphone, non, il a dit. D'ailleurs, genre. Wesh, sport. Ils sont mis en combat, c'est un Busta Catalan. Ils sont où les derniers bouts de papier? Ils nous envoient. Arrête, on s'en fiche, je fais la radio. Oh, c'est vert. Regarde la. Il y a différentes couleurs, c'est juste le point des points stylé. Bah attends minuit, zoom, fais les rires de bébé. Ils sont où les bouts de papier, mon gars? On s'en fout. Regarde, il manque des trucs. Non mais s'il lui manque des trucs, il finira pas la démo. Hein. Enfin, regarde, moi je pense. Regarde le cadre et joue avec la luminosité. Ouais mais ça on l'a déjà fait. Je pense pas c'est pas dedans. Hé hey, la ah, photo bientôt là. Cadre. Tu viens de me postionner dessus mais c'est moi. Ouais. Xenoverse c'est de la grosse merde. Dans un nombre, quoi. Xenoverse c'est de la merde. Ah bah voilà. Ouais. Bah bon voilà. Non mais parce que j'ai eu des retours assez négatifs de Xenoverse dans le sens où il n'y a pas tous les personnages. Voilà. Les transformations sont pas possibles, il y a plein de trucs. Fallait zoomer dans le truc. Merci The Napoléon 7. Et ouais, le mec il parle. Il faudrait peut-être se barrer. Kennedy. Non. Non, téléphone. Non. Fenêtre. Non plus. Je vais faire ça. Non, mais je viens de le faire du coup. Du coup, va vers la petite radio réveil, attends minuit, zoom, tout ça, fais les choses. Je l'ai fait sur radio réveil. Ouais, mais a priori, on a peut-être pas fait les choses comme ça. La radio, non. Je pense que parce que je veux platiner encore un peu. Bah, les Tenkaichi sont. Moi, il m'a offert Budokai 1 et 2. Par contre, j'avais oublié la différence entre Budokai et Tenkaichi. Ah, c'est jaune. Putain, les Budokai, que c'est chiant, c'est en face à face, 1v1, mais putain, c'est horrible. Non, les Tenkaichi sont mieux. Ah ouais, mais Budokai c'est chiant et Budokai Tenkaichi c'est ouais, mais Budokai, il doit m'en manquer deux là en théorie. Ouais, c'était peut-être d'autres placements. C'est vrai qu'à l'époque je les ai bien aimés, mais quand ils sont sortis Tenkaichi, mais la révolution. Devant la commode du réveil par terre. C'est Tenkaichi, ouais, c'est. Et avec Cédric, on va comprendre. Ah oui, c'est ainsi. Non mais. Dans Raging Blast, tu peux te transformer en combat. Ouais, mais voilà, ça, c'est ça. Ça, c'était propre à Tenkaichi. Voilà, aussi. Voilà, c'est Tenkaichi ça. Aussi. Mais c'est ça, ça. C'est ça, c'était le problème de Raging Blast. Et donc, Xenoverse, il y a pas. Et ça n'a pas de rapport avec ce qu'on fait. Ouais, mais ça. Non, mais oui, mais on parlait de ça tout à l'heure. Donc voilà. Et on y parle encore maintenant. Donc c'est bon, là, t'as eu un papier. Je suis content. Radio Réveil. Du coup, on a les réponses aux questions qu'on pose. Je crois qu'il est pas mal, mais genre en mode pute de ouf. Et non, on les voit, les photos. Et il y a plein de médocs. C'est non, bien, c'est critique mais, pas. Mais effectivement, je crois que t'as mes vidéos. Moi, les Tenkaichi, ouais, franchement, je le platinerais bien, je t'avoue. Regarde les vidéos sur la chaîne Blast. Voilà, je voulais le platiner. Hein. Ouais, je pense que j'en mettrais du premier. Tu vas me dire, regarde la commode de Tenkaichi. Mais Raging Blast, moi, j'en ai pas encore vu bien non plus. En fait, le problème, c'est que Xenoverse, on m'a dit que c'était de la merde. Et à la hauteur, on m'a dit que c'était pas de la merde. La salle de plafond est sur le lavabo. Vous, une chaîne YouTube, pas du tout. On a fait une soirée, on picole et on a streamé pour rigoler. Et moi, la seule chaîne YouTube que j'ai, c'est sur des Pokémon. On a du platine, gros là. Il a platiné HD Collector, Budokai. Ah bah voilà, moi c'est ça que je cherchais en mais fait. Mais du coup, ça t'en a fait combien? Un ou trois platines? Je sais pas. Non, c'est un platine. Non, c'est. Ah là, c'est Budokai 1 HD Collector. Et sur le là, non, c'est la collection. Il me semble que t'en as. Il me semble que. Non, en fait, peut-être qu'il a. Il a filé. Je crois que c'est celui-là. Je crois que c'est le HD Collection. Il y a le 1 et le 2. Tu l'as? La passe. Ouais, la genre. Non, mais bon, je te jure. Enfin, tu m'en passes en vrai. Franchement, c'est horrible. Non, si j'ai envie. Mais par le lavabo et en haut dans l'angle, j'ai déjà. C'est pas en combat 3D. Normalement, c'est un géant. Je l'ai.
J'ai déjà fait des DBZ comme ça sur Mega Drive NES. Dans le couloir. Ah, c'est très précis, c'est le jeu est un couloir. C'est-à-dire le jeu est un couloir. Effectivement, le jeu est un couloir sans fin. Donc. Faut tester la lampe, mais ça a pas l'air. Non. T'as regardé Lavabo, salle de bain. Budokai, il y a que le collect. Il y a que le 1 et 3. Bah, moi, c'est celui-là que Guillaume m'a filé. Ah, et je les ai anniversaire. Mais le platine. Pourtant, est-ce qu'il paraît les Budokai, les Budokai Bah non, pas tant, franchement. Enfin, faut poncer un minimum. Ce qui paraît, c'est pas suffisant. Hein. Ouais, faut poncer un minimum. Vers la plante, c'est fait. On l'a eu dans la plante aussi. Ah ouais, la plante, c'est fait. La plante, c'est fait. Normalement, il est ici et on l'a. Tiens, change de pièce parce que la lumière verte, elle est chiante. On l'a défoncé. Non, en vrai, la lumière verte, elle est méga chiante. C'est vrai qu'on se rencontre avec le point. Ouais, discute en live. Ouais, c'est vrai que discute en live. Puis en vert, on voit que dalle. J'avoue, vert, c'est chiant. Depuis le début, ouais. Raging. Ouais, on va l'invoquer. Optionnel. Invoquons Raging. Non, mais c'est optionnel, mais il n'empêche que c'est cool. Ouais, mais moi j'aimerais bien voir la suite de la démo. Faut essayer de voir le truc avec le raid. C'est la fin, le réveil. Vers la radio. La commode, je crois pas que c'est fait. Non, c'est sur la commode. La radio. Vers la radio. Napoléon vit. Plan de commode de la radio. J'aime pas de lécher les toilettes. Là, ce qui paraît, vers la radio, plante de commode. Non, on n'est pas trois, on est six, mais pas tout le monde est dans le champ. Non, on stream alors. A priori, il nous dit qu'on a toutes les photos. Je peux passer ou... Bah, vous ouais, non, mais va regarder la photo, ça se trouve, on les a tous. Bah ouais, du coup, je me dis, c'est pas normal. Bah, moi, par exemple. Mec, ils montent son cul. T'es pas novice. Mais oui, on les a toutes. Mais on a pété. Regarde les plafonds, on a pété. On entend quelque chose, regarde la radio. On est nuls, voilà, c'est tout. Ouais. On fait 10 minutes qu'on tourne alors qu'on les a eu toutes. Non, ouais, c'est ça. La nullité. Il est minuit. Zoom la photo. Là, faut que tu restes zoomé parce que t'as vu, ça remonte le texte. Non, merci, t'as un truc pour des quelque chose. Oui, merci. On aura pété deux boss de Rogue Legacy, on aura fini une démo. C'est bien. Une démo de Silent Hill, méga chaud. Je suis content qu'il y ait quelques jours quand même sur Steam, ça fait plaisir de partager. Mais du coup, Guillaume, t'es un New Game Plus. Genre combien en fait, sur Rogue Legacy. Actuellement sur Legacy, New Game Plus. T'es à côté du réveil, New Game Plus 2, mais avec des runes qui t'augmentent. On l'a eu. Et bah, du coup, la porte, essaye, sinon tu recommences. Cassons-nous. Vite. Gros, tu fais de la merde, t'aurais pas dû partir là. Gros, change de pièce. On part pas. On va mourir peut-être. Vite, non. Si. Step 1, faire 10 pas jusqu'à. Sors de la pièce cochon. Le bébé qui rit. Il y a le bébé qui rit. Avance. Ce jeu est pervers et joue avec tes nerfs. Avance, gros. Non, mais sors de cette pièce. Mais rien n'a fait peur jusqu'à maintenant, donc arrêtez. Excuse-moi, tout à l'heure j'ai pris la manette, j'ai fait une minute 30 de jeu. Il est vivant. Ouais, mais il était déjà vivant tout à l'heure. Mais sors, gros, fais le tour. Ça va reset une salle et là on va avancer. Pierre meurt. Hein. Non mais avance. Non, parce que meurt, ça se trouve, on se retape tous ces casse-couilles. Avance dans ça. Bah quoi ? Guillaume, en vrai, putain, tu veux pas avancer, voir ce qu'il y a dans ce. Passer là-dedans. Passer là-dedans. Passe là-dedans. Le bébé a rigolé. Ouais, mais justement, enfin, tu sais bien que ce jeu, c'est, tu passes la porte, ça reset, ça relance une. Ça relance un loop avec un nouveau truc. Et puis voilà. Là, tu viens de réveiller. Torche, ça a pas changé. Est-ce que c'est minuit ou 22h ? On va voir la porte. C'est pas pareil. Va voir la porte. Celle-là elle est ouverte comme tout à l'heure. Toujours pas de partout. T'as déjà vu Fairy Tail? Ouais, il y a des affiches nanas. Spoiler pas trop, j'ai pas fini l'arc de l'horloge de l'éternité qui était assez chiant. Toujours pas? J'ai pas avancé. En gros, j'ai pas maté la compétition de mort. Tu connais ce groupe? T'as même pas vu Tenrojima toi. Si vous entendez, il y a une latte. Genre, il y a les mecs de. Il dit faut attendre, faut écouter le rire, le bébé rire deux fois. Ouais, non, mais on va mettre le son à fond. Non, on peut monter. De toute façon, c'est pas comme l'autre jeu où il y a le son qui masquait. Moi, je sais où je me suis arrêté. Les dragons. Vous fumez là, vous fermez la fenêtre. On fume tous. Moi, je fume. Arrêtez de fumer. Et il fait plus frais quand même. Lequel qui est chiant? Allez, passe à minuit là! Quel arc qui est chiant? Ah, peut-être. Réponse dans l'horloge en fait. Moi je sais pas, je peux encore. Bah, l'horloge. Ah, t'as pris mon cher, c'est celui-là l'horloge. Je crois que c'est celui-là. Mais il est facultatif. Ouais, mais c'est celui où il y a les mecs de l'autre dimension que tu revois.
Et genre, il y en a un qui dit non, non, je suis parti, je sais plus comment ça s'appelle Star. Pardon, j'ai un vert Batman. J'ai un vert Batman. Les deux races, ouais. Mais il y a les mecs des deux races dans l'univers normal. Et pas genre, il y en a un qui maîtrise des blobs roses ou verts. Ouais, ouais. Arrête, t'es drôle. Vas-y, va, dis ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genre, il y a un gros. Là, maintenant, dans le futur, il y a un là, ça se croit. Et là, bouge plus. Les deux races, pas passer la porte maintenant. Genre, la grosse compétition. Hi, Biffing 93. How are you? Ne passez plus la porte d'eau. Ok. Naruto, c'est mieux. Oui, ben merci. Ouais. Non, Naruto, c'est pas mieux, mais Naruto, c'est... Oui, c'est bon. Naruto, c'est plus respectueux de sa fanbase dans le sens où ils attirent pas les gens et ils les gardent pas en laisse avec du boobs fan. Ouais, sauf ouais. Que Naruto, à la base, ils te disent on est un raté, on peut faire des trucs et après ils te disent... Go away with your Jaeger. Je suis pas d'accord, ça c'est mauvais. Non, ça c'est pas mauvais. Non, c'est mauvais quand même. Neji, il te dit il y a le destin et tout, Naruto, il dit non, le destin, je vais le changer. Alors j'ai un destin mais j'ai dû m'entraîner pour lui. Sauf que Naruto en fait c'est juste le fils de Hokage et il a tué. Je bois au sein de mes raté en fait. D'où Naruto bah, c'est un raté de base. Refaites 10 pages. Naruto il a un don qui oublie au début il est nul. Et ça t'as fait se reprocher. Refaites 10 pages. Pareil, ils ont un don. Je sers du Jaeger avec mes boobs. C'est le destin. On n'a pas de bête. Et Naruto première saison c'est il y a pas de destin on peut changer. Et je vais faire saison, pas. C'est Charles Xavier. Ah, je vais faire du pas. 1, 2, 3, 4, 5. Le seul raté qui est devenu un bon dans ce manga, c'est Rocky. Ça te fait marrer ça te fait marrer, bébé. Rocky, c'est le seul mec qui est vraiment un raté qui devient quelqu'un. Naruto, c'était pas un raté à la base. C'est le fils du quatrième. C'est qui a renversé sa bière sur ma table basse? Look at the mirror. Non, personne n'a renversé la bière. La bière est en train de mousser. Non. Buvez ce truc. Salut, I don't speak French. Look at the mirror, bro. Mais buvez ce truc. Mais you have to learn the French language. Merci Momo, t'es le bon réflexe. Mais que dalle. Mais t'as que tu l'as dit. Nothing. Pourquoi vous avez juste dit parce qu'il rigole. Il rigole, c'est l'homme. Donne. Attendez, on m'a dit qu'il faut faire rigoler le bébé deux fois, ne plus repasser la porte. Et tu repasses la porte. Look at mirror. Non. Oh, look at mirror. Regarde dans le miroir. Non, va pas dans cette salle de bain. Look at mirror, but I don't speak French, look at the mirror, bro. Look at mirror. Look at mirror. Look at mirror. Stylé le mirror. Y'a rien dans le mirror. T'as une tenue. Donc on voit qu'on a une petite jaquette sympathique. Jaquette. Jaquette. La petite veste à zip avec les petites cordelettes. Moi j'aime bien. Moi, c'est où mes contacts là, putain de terrasse. Il y a combien de jambes sur stream là actuellement? 9. 9 personnes. Non mais Raising, il ne pas lire son bébé, il faut juste faire 10 pas tout droit. Charles. Et là il y a le bébé qui rit. Qui? Charles. Stop, tu vas pas au bébé. Xavier qui t'arrête. Mec, le meilleur c'est Kyubi, voilà, le mec qui t'explique tout. Simplement, bien sûr. Mon Jaeger, Guillaume, t'aurais pas du choix. Kurama. Mais j'avoue, c'est Kurama, c'est pas. C'est vrai que quand on est respectueux. Mais n'allez pas jusqu'au bébé, stop, arrête-toi. Je vais pas jusqu'au bébé, je passe à côté. Ouais, mais jusqu'au, c'est-à-dire jusqu'à la limite du bébé, là, t'as pas ça. D'ailleurs, est-ce que du coup, tu te parles de... avant la limite du bébé? Ouais, dis pas et tu t'arrêtes, fais 10 pas et tu t'arrêtes. Tu vas jusqu'à la lampe, jusqu'à la Arishama. Arishama au lieu de Shirama. Bobby, il essaie de trouver des informations. When you hear Arashima. En fait, quand t'entends les cris du bébé, faut que tu mates le miroir. Le miroir, normalement, vas-y, rentre. Putain, tellement le temps, le meilleur, c'est mon chat. La meilleure, c'est ma chatte. We want the cat girl. Regarde la baignoire. Mais non, mais on est entre couilles là, c'est mort. Regarde la baignoire. Nothing in the... bathtub. Bathtub baignoire. La meilleure c'est ma chatte, ta gueule. Le meilleur c'est mon chat, gros, il dit. Il a dit la meilleure c'est ma chatte. Ah ouais, pardon. C'est la vulgarité. Non. Bon, retourne au bébé, tu suis pas les enfants. Bébé, dis pas, tu t'arrêtes. Bébé, dis pas. Va jusqu'au radio réveil. Le premier rire. Après, rester devant. Et ne toucher rien, parler jusqu'à le bébé, faire encore une fois. Attends ça, non, retourne au radio. Faut que tu te mettes devant, que tu zooms, je sais pas quoi, faut que ça rigole. Sur le bébé, en fait. Non, faut que ça rigole. Mais on a pas 5 minutes déjà, il a déjà rigolé. Refais. Je crois qu'il va rire. Restez devant le bébé, ne touchez rien, il faut aller devant le bébé, les gars, oh. Non. Si.
Attends. Si, c'est la phrase qui... Je n'arrête de pas. Arrêtez de gueuler en plus, j'ai des voisins. Rigolance. Hein. Et là, regarde le miroir, regarde dans la baignoire. Non. Essaye pour le bébé, mais tu peux plus à l'autre. Regarde. Il y a un truc derrière. Oh, sa mère. Il y a un truc derrière. Non. Faut faire quelque chose. Fais quelque chose, fuis. Fuis. Non, c'est bon, il a disparu. C'était un genjutsu. Fuis. Go, allez-y, tape-nous. La porte d'entrée, gros. La porte d'entrée. Fuis. Non. Oui. Non. Attendez. Non, vas-y, fonce. Non, ça doit tourner. Réfléchis pas, gros. Il y a eu un événement. La salle va faire un... Doors, ça c'est une doors. Voilà, et là on repart sur un loop des familles. Et là peut-être, la porte d'entrée est ouverte. Oh gros, comme c'était pas bien. Ça se trouve, il y a autre chose à faire. Oh, c'était encore. Mon dieu, mais quelle horreur. C'était naze. Non mais gros, avoue que c'était malsain. C'était un peu... La porte. Mais il y avait peut-être autre chose à faire, regardez. On peut toujours pas sortir. Dites-nous s'il y a autre chose à faire, par pitié. Non. Il faut mourir au bout d'un moment. Ah non, et voilà, il fallait pas partir, putain. Ah putain, mais oh, ils ont un lag par contre de ouf. Ouais, ils ont un lag, ça. Et si vous pouviez dire... Non, vas-y, fonce, Guillaume. D'une tresse qu'il faut faire. Là, faut se mettre devant le miroir et pas bouger. T'attends une minute, t'attends le rire. Faites-le d'un trait. Non, mais voilà, Guillaume, c'est ça. Avec le lag, vous nous dites pas, en fait. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse après que le mec me fasse faire pipi sur moi-même? Au faux, va chercher la solution. Mais non! Bah trop tard! Mais c'est lui qui veut à chaque fois qu'on se barre, il se pisse dessus! Mais Born Nomad! T'aurais dû dire dès le début! Why you do that? Ah, vas-y, 10 pas! Je vais faire 10 pas! Voilà, non, y'a pas le rire là! Reste devant! Y'a pas le rire! Je fais 10 pas et il rigole! Why you scream? Ouais, parce que. Non, mais il faut aller devant le bébé! Sexy girl in bath! Je crois qu'il fallait rester devant tant qu'il y avait la cloche, ensuite y'a le rire! Moi je me balade. Non mais la radio gros s'il te plaît, putain. Sexy girl in the bath. Y'a une sexy girl dans la baignoire. Le rire. Non, moi je veux pas. Donc, c'est un rire étrange, mais d'accord. Oh putain, rire de non. Oh. Non, vas-y pas. Salle de bain gros. Salle de bain. Guillaume, arrête. Allez, tout, salle de bain. Quelle horreur. Là, le miroir. Sur le premier rire dans le bébé, DJ jusqu'à la mort. On sent qu'on crève au deuxième rire du coup. Oh, mets-toi vraiment face, t'es pas trop face. Je sais pas ça. Non, mais là on avait vu. Non. Je crois que c'était ça, donc on est d'accord, fallait bien bouger. Donc j'ai pas dit de la merde, fallait s'en aller. Bon, on a croisé la dame. J'aurais peut-être pas dû rester devant. La porte est peut-être ouverte, bon maintenant. La porte est peut-être ouverte. Va vers la porte. Mais pourquoi je mets ça? Non, je pense que ça a relancé le truc. Je vais le refaire pleurer. Regarde pas là. Non, ça fait plus. Moi j'aurais relancé le loop de la salle. Hein. Ouais, j'ai peut-être un peu pipi sur moi. Refaire éclairer le bébé une fois. Zoom. Là c'est le moment chiant de la radio-réalité. Mais ça dure combien d'années ce putain de, démo? Refaites rire le bébé une fois. C'est bon, je le fais rire. Mais je comprends pas pourquoi regarder un radio réveil, ouais, ça fait rire un bébé. Ils sont quand même sérieusement débiles. Je suis désolé. Je t'avais dit. Attends, c'est pas ça. Je crois qu'on a dû changer. Je voulais pas dire ça. Il y a un truc à faire avec le téléphone ou la radio. Mais brûle-moi pas, arrête. Attends. Faut attendre minuit. Et zoomer les objets. Attendez, il y a le bruit. Radio réveil téléphone. Attention. Ça c'est zoom. Ah. Regarde l'autre pute à la pue là. Ah, donc, sur la salle bébé, de bain, le miroir. Sur le miroir. On va voir s'il y a la dame qui revient. Faites les 10 pas. J'aime pas trop. Mais t'as pas fait les 10 pas. Voilà, je les ai fait. Radio réveil, putain, mais tu sais que les viewers qui connaissent, ils vont rager pour ça. J'avoue. Mais ils font quoi? Ils sont complètement nuls. On peut dire radio réveil, téléphone. Non, mais c'est-à-dire quoi? Radio réveil, attends. Ça, on a attendu. On peut dire que cette démo est pétée.
Non mais demande, au pire demande de nous faire là où on en est, ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire d'un coup. Parce que là genre mais... Que quelqu'un nous fasse un pavé. Refais ton salle au cas où. Un Wolfsruhe total. Repasse la salle, sors la salle. Attends, reste là. Non, je fais pleurer le bébé. On s'en fout, reviens, refais la salle, on recommence à 23h59. Je vais re-keblo devant la gonzesse à la fenêtre. Non mais gros, parce qu'on voit quand tu fais ça, le but de la démo c'est que tant que t'as pas trouvé ça reset, donc reset là, on recommence et on suit ce qu'il dit. Non, parce que l'autre fois on l'a fait pleurer plusieurs fois. Devant le réveil, première étape. Ouais, alors, toujours, on a des suites. Non mais du coup, reste dans là, après tu vas à la radio du Zoom. Non, à la radio du Zoom. Non, mais après ça. Pas vu. Ensuite, le miroir des... Enfin, le miroir... Non, quel miroir c'est la rose. No réveil. Putain. Là, tu re... No réveil. Je crois qu'il fallait au miroir, tu zoomes. Il a dit radio. Ouais, mais il a, après, il a dit le miroir des... Mais je pense que là, vu qu'on a peut-être zoomé... Moi, j'ai trop chaud, là. Je recule un peu, là. Faut que tu zoomes. Faut que je zoome sur le miroir aussi. Ouais, mais mets-toi bien en face. Non, mais c'est... C'est que le réveil, il y a 30 secondes. Ouais, donc faut que tu rentres devant le réveil, non, donc sors, recommande. Refais, renoue la salle. Non, mais... Faites la marche à suivre en un pavé. Pas en fonction de ce qu'on fait, on a un décalage monstre. Le miroir, pavé, tu t'en fous. La radio 30 secondes, reloupe la salle et fais la radio 30 secondes. Je vais relouper la salle, vous me faites un pavé pour savoir ce qu'il faut qu'on fasse. Parce que là on est pas. Radio 30 complet. Secondes. Faut pas oublier que nous on picole à côté, ok. Faut entendre deux fois du bébé après. Radio 30 secondes. Make an entire paragraph for the explication of. Au moins il y en a un seul anglais, il s'est barré il y a 20 minutes. Voilà, zoom. Restez là, on va. Mais putain, j'ai tout. On a vraiment volé mon aigle. Parce que quand je marche, quand il est en train de pleurer, ça compte pas. C'est minuit, radio, rire, réveil, rire, téléphone, ce n'est pas un pavé comme j'ai demandé. Ça veut rien dire, c'est une annonce. Voilà, tu vois, mot NTG, donc insulter les gens. C'est un télégramme. Et voilà, t'as voilà, c'est un télégramme. C'est comme si une recette de pizza, tu disais. Quoi ? T'as fini ton whisky, tu peux vraiment servir. Le bébé ne pleure plus et quelqu'un m'a parlé. Ou d'une pierre de whisky, je pense. Attends minuit, on attend 30 secondes les deux rires. C'est 00 radio, rire, réveil, téléphone. Voilà, ah. Musique commence. La musique commence. Zoomons tranquille. Le miroir, tu t'en fous. Voilà, la cloche, ensuite le rire. Tu restes dans le rire. Non, mais il y a la respiration de la fille. Là on entend la fille. Là je sais pas s'il faut pas attendre le deuxième rire. Julien. Ils sont limitants en nombre de mots. Ils l'ont dit si t'avais sur les bébés. Ils sont limitants en nombre de mots. Ah faut faire quelque chose. Moi je suis sur ordi mots limité. Et ben Raging, lâche-toi. Normalement il y aura un deuxième rire et là tu bouges. Là tu bouges. T'as les mecs, on est ici. On tente le miroir. C'est pelle à ton pote. Alors non les gars, il y a pas de yaoi ici. Bigoudex. Bigoudex il est chaud. Et là il se passe rien. Au pire vaut miroir. Faut rouler une pelle à ton pote. Radio réveil. Roulez-vous une pelle. Ensuite miroir. Non. Ouais c'est peut-être la gueule. Raging, fais un pavé, explique concrètement. Gros je crois qu'il faut aller au miroir. Mais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit que le miroir c'était pas. Ouais, c'était mais pas attends, ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui fait un peu. Miroir, tu zoomes le miroir. Tu te mets bien en face. Plus de 30 secondes. Plus de 30 secondes. Et ben attendons. Un. Nouveau compte. 2. 3. Nouveau est un chronomètre. 4. 5. Nouveau est un chronomètre. 6. 7. 8. Ah, non. Attendez. 10. Il y a du bruit. 11. Et du coup après faut que j'aille voir le... Attends. Attends. Attends du coup faut que je fasse quoi après là 19. On va attendre. 20. 21. 22.
23. Ah, peut-être la 3 qui va sortir de la baignoire comme 25. Ça. 25. 26. 28. Littéraire. Nique sa mère. Attends. Tu veux dire ton frère, mais comment? Alors, 1, 10 pas. 2, rester devant le bébé et parler jusqu'à il rit une deuxième fois. Ça fait 40 secondes. Sans bouger d'un poil, il rira une troisième fois. Donc là, faut rester. A priori. Et Napoléon, son nom c'est Guillaume, alias Jésus la pute. Ou Jésus. Il y a 80% de temps, vous réussissez. Guillaume, c'est déjà Jésus. T'as déjà sonomisé le fantôme. Deux fois, ouais. Ah, mais c'est sonomisé le fantôme, c'est dégueu. Deux fois, on l'a fait. Donc là, radio réveil, bébé, qu'est-ce qui se passe, putain? Attends, ils ont dit qu'il fallait qu'il re-rit. On joue à Call of. On joue à Call of. Mais c'est chiant, j'aimerais bien la terminer, c'était des mots de merde. Mais putain, mais qu'est-ce que. Non, mais c'est bon, là, on a juste un truc à faire. Il y a un aliasing de pute dans le miroir. Hein. Comment ça? Il y a un aliasing de pute dans le miroir. Où ça? Regarde le bébé. Tu veux faire bise? Tu veux faire bise? Regarde le bébé. Puis il fait frais, par ta dieu. C'est les ripas après. Les 10 pas refaits. Non mais vas-y, change. C'est chiant. Non, on va le finir. Ouais, ça me saoule là. S'il rit pas et qu'après les 1, que on retourne au miroir, t'as fait les 10 pas. Putain, mais tu sais, mais qu'est-ce que c'est que ce délire des 10 pas? T'étais un plomb dans cette démo là. Et celui qui parle, c'est pas Jésus, c'est quelqu'un d'autre. Ah, je vais t'aider à la fin. Bah non. Ah non, c'est un whisky. Si. Ah, c'est chaud. J'aimerais bien avoir des. Il y a la lumière qui veille en voilà. Mets-toi bien comme ça. C'est intéressant. Bon. Dans le bruit là. On a réentendu en écho ce qu'on a eu derrière. Je me demande s'il faudrait pas faire ce qu'il y a de radio. Non mais vas-y, c'est chiant, c'est bon. Attends, c'est rire. Maintenant. Oh ça y est, ensuite faut faire quoi? Oui, bizarre. En gros, il est chaud. T'as tout compris, lui. Réveille, putain, Guillaume, réveille. Réveille. Non, attends. Il faut bébé. Ça, c'est Yannis. Ça, c'est du violent, là. Il part sur du violent. Pim, pipe. Réveille, moi, je dis réveille. Ça va tellement pas l'air. Une pipe au bébé. Du coup, je comprends vraiment. Ah, lui, il est chaud, lui. Embrouille dans le ghetto, on a. On est bien. Alors après ce rire, faut foutre quoi? Bobby de tableau parce que sinon. Réveille, je pense. Réveille. Réveille. Grand réveil. Attends, ouais. Mais ça se trouve. Je crois qu'il a tout à l'heure, il a dit réveille, bébé, réveille. Tu vois? Il a dit un message assez court avec bébé. Réveille, ouais, il y a réveille. Un gars, je trouve. Genre, il a dit réveille, ça rit. Tu vas voir le bébé, ça rit. Tu reviens au réveil. Reviens au réveil, du coup. Et genre, tu reviens, je crois qu'il y a la meuf qui apparaît, faut pas bouger. Apparemment, tu fais une pipe au bébé. Ouais, voilà, moi qui allais plus. Ça sert à rien de rester là. On entend moi, c'est. Selon les commentaires, c'est. Par contre, dites-le, s'il vous plaît, on va essayer de voir s'il se passe quelque chose. Parce que là, c'est. Et le casse. Une pipe au bébé avant minuit. Il a déjà la bouche ouverte. Ah ouais, non, mais il dit de la merde. Je... Non, mais sans deck. Non, en fait, c'est. Ah oui, c'est fait faire une pipe au bébé. Ouais. C'est pas fait une pipe au bébé. Ouais, d'accord. Non, mais voilà. C'est important que tu. Il faut dissiper tous les malentendus. Le whisky sur ouais, ça gueule, me casse les couilles. Une fois il a whisky. Rien dit une fois. C'est pas moi qui l'ai dit ici parce que c'est pour ça que je te l'ai pas demandé à toi à la base. Je ne vois pas de whisky. Fait une vu que t'as le nombre de caractères limité, fais un vrai texte. Non, il a pas justement, il a dit. Ah ouais? Oui. Ah merde, alors c'était lui qui l'a. Mais on voit genre depuis le début de la salle ce qu'il faut faire en 3-4 messages à la. C'est ça. Très bien. Qu'on s'en sorte. On aimerait le faire. On va passer sur Call of en multi après. Parce que Battle, il y a une trop grosse mise à jour à faire. Ah, il se passe des choses. Et là, c'est vrai le bébé qui rit. Qu'est-ce gros miroir après. Il rit pas, il joue. Ah, Bigoudex, il est bon. Il est pas mal. Il a ri une fois, il a ri 45 fois. Là, ça rit. Tu vas au miroir. Va pas au miroir, ça, merci. Ah, il y a des choses dehors. Miroir. Non. Si, il y a des choses dehors. Miroir. Tu zoomes le miroir. Mets-toi bien devant le monde. Vraiment bien devant le miroir. Mais voilà. On voit pas ce qu'il y a derrière moi du coup. Gros pigou. Désolé la pigs c'est cochon. Ouais. La pigs c'est cochon. Vous faites pas. Bah du coup c'est payant. Ah, c'est gratos mon gars. C'est vrai que la démo est gratos donc là on a juste. C'est toi qui m'a fait rire. C'est de la merde. Va voir peut-être à la fenêtre où la. Ça marche putain de pas, je vais mettre des coups de pied au bébé. Regarde ah la non. Fenêtre où la femme convulsée. Non. Normal. Toi ça. Moi. Non. Nique sa mère. Prends la barre. Qu'est-ce que c'est que ce putain de démo de mort.
Toi, t'as réussi à mourir une fois quand même. Moi, j'ai commencé, je me suis fait fumer, là, ça fait trois quarts d'heure qu'on tourne de partout. Et qu'on meurt pas. Apparemment, faut que tu joues à Dibou. Et bah, salut Reggie. Non. Oh, le bébé. Regarde. Voilà. Zoom quelque part, ce qui s'est passé. Là, il a vraiment rigolé, genre. Dexter, il meurt à la fin, gros. Non, mais. Ta gueule. Hein, j'ai la manette qui tremble et le bébé qui rit. T'as la manette qui tremble. Ouais. Du C4 sur la porte. Sans la calage. Ah, trois fois. Oh, le téléphone. Gros. Non, 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 vas-y. Non, non. Putain. Oui, zoom. Allô. Oh putain. On a trouvé Bernd Nova. Et après. Et après. Et après, je vais à la porte, je vais te crever. Donc toi, vers la porte. T'es sûr qu'on putain c'est un autre truc à faire? Non. Non. GG c'est fini. Mais non c'est pas fini, ça s'ouvre pas, qu'est-ce que je fais? Bah, refaire un tour de. Refaire tour de. Non, non je veux pas recommencer. Ça sera. Ça commencera pas, on a eu un événement gros. Mais couille. GG il dit tout, GG, passe la porte. Zoom, non zoom c'est bon, porte, il a zoomé. Il téléphone. A zoomé. Je me le baisse. Ça c'est 20 secondes. Passe la porte gros. Non. Si! Tant que Raging il m'aura pas dit passe la Raging, porte. C'est il t'a dit GG, il t'a dit GG, c'est fini. Regardez, je zoome la porte. Et j'ai. Raging, je t'attends, tu me dis quoi? Je repasse la porte ou je passe la porte d'entrée ou je fais autre chose? Non mais là tu je fais un tour, fais un tour. C'est une loop. C'est toujours fini. Il y a une dit téléphone. Sauf dès que t'avances un truc, faut faire le loop. Je vais passer. Tout à l'heure, la meuf qu'on a vue dans la baignoire, on l'a doublé, c'était fini. Ah! Voilà, putain! Non mais je voulais pas me le retaper encore une fois dans un truc. L'autre il joue sur Zoomtel. Bien ouais. Et parce qu'il y a un des loops sur Zoom sur le thème on crève. Attends c'est pas grave. T'as une grosse touche de drague. Le texte est énorme. Le texte est juste il vous voulez se profiter. Il y en a toujours les bouches. Bien joué, il nous a tous tués. Disons les 60. Jusqu'à ce que tu vois la fin, gros. Jusqu'à ce que tu vois la troisième saison ou la quatrième saison. 3-4, ça passe. À partir de la 4, ça devient fou. Et là, quand tu finis la démo la première fois, et j'ai mis du temps. Tu te masturbes tellement. T'as l'air de bien avoir compris comment on faisait un truc. Tu l'as déjà fini une fois. Ouais, ouais, mais j'ai terminé quand elle est sortie il y a un an. Mais pourquoi tu te souvenais pas de ça? Parce que c'était il y a un an. Tu sais combien tu fais de jeux par an, moi? Faut t'as réussi à faire un jeu. Je suis pas le genre de mec qui fait 4 jeux par an. Ah, mais je l'ai déjà vu sur internet en fait, je vous fous. Oui, dommage que ce jeu ne sorte jamais, ça me fait un peu pleurer mon propre pétition. Parce que le mec c'est Darryl en fait. Non, non, il y a Guillermo del Toro scénario. Et t'aimes bien la fin, à la réelle. Mais non, t'as vu trois fois la série Dexter et genre t'aimes bien la série entière avec la fin, tout ça. Norman Reedus, Norman Reedus. De Geek. Non, mais, non, mais, non, mais Norman Reedus, vous vous touchez, mais vous êtes bien gentil, Norman Reedus, on s'en branle sous sa gueule. Non. Ça devait être Kojima au scénar et Del Toro à la réelle. Ouais, bah, ça aurait été le jeu d'horreur du siècle. Ouais. Avec Norman Reedus. En même temps, ça fait 30 ans qu'il y a des jeux d'horreur, du coup ça aurait été facile, mais sur le principe. Silent Hill. Et là, le. Alison Road, c'est une série, c'est quoi ça? Et avec regardez, la musique, on est tous pompiers sur la caméra. Mais honnêtement, c'est le meilleur Silent Hill, c'est le 2. Tu l'as fait? J'ai fait aucun jeu d'horreur parce que je n'aime pas ça. Ouais, moi j'ai détesté ça jusqu'à ce que j'ai eu la maturité mentale pour Black Mirror prendre les mécaniques qui mettent en place pour faire peur. Et là, j'ai joué comme des œuvres d'art. J'aime pas. Plus que comme des jeux. Ouais, mais toi, tu m'en fais plus quand même. Moi non plus. J'aime pas me faire peur pour plaisir. Moi non plus. Ouais, mais je les ai pris comme des œuvres. Aucun plaisir. C'est comme mater du gore aussi pour du gore, c'est pareil, pareil. Me regarder. J'essaie de t'expliquer pour détester les films d'horreur. Ouais, pareil. À l'effet, c'est pareil. Mais pour les jeux, j'ai commencé à essayer d'apprécier. Les mécaniques qui mettent en place pour faire peur aux gens, et j'ai pris ça non, plutôt comme des œuvres d'art à part entière, même plutôt en comme des trucs de la peur, juste pour faire peur comme de la merde. Et j'ai commencé à vraiment apprécier les jeux d'horreur. Ah, toi-même, c'est très bien d'être Sif. Le dernier Sif, c'est quoi? Où t'es un voleur, tu dois voler des choses. Non, qu'est-ce qu'on en sait? Ah, Tief. Ouais, Sif, ouais. Ouais, mais j'ai un accent à la merde. Bah, le dernier Tief, en gros, à un moment, t'arrives dans un hôpital psychiatrique, ça commence à faire peur, j'ai arrêté le jeu. Ah ouais? Parce que pour moi, ça faisait pas partie du jeu. De quoi?
dans ce jeu, t'es un voleur, tu dois éviter des choses. Ouais, là, là, tu n'as pas de super pouvoir. Enfin, tu es dans l'histoire, j'ai arrêté de jouer. Bobby arrête de faire ton kick. Moi j'ai arrêté avant parce que le jeu était mauvais. Ouais, je fais de la pub. Non, si, je l'ai bien jusqu'à l'hôpital psychiatrique. Je pouvais s'arrêter. Ouais, bah je leur dis, mais une seconde, je vérifie que ça s'est fini téléchargé. Putain, ça s'est mis en pause. Ah bah ouais. Je vous ai dit que ça allait stopper le téléchargement. Il n'y a pas un jeu qu'on peut faire là en mode. T'as pas un truc. Dying Light ou Outlast. Non, mais en ligne, genre un truc de marrant. Non, j'ai rien. À l'isolation, il y aura peut-être des mises à jour, mais ce sera du un joueur aussi. Non, parce que vous m'avez volé mon verre d'ailleurs. Qui c'est qui a pas fait Outlast? Moi je l'ai fait 7 fois. Non, pas du tout, j'ai jamais fait. Donne-moi ce que t'as pris, s'il te plaît. Bon, bah bon, mais quel. Outlast? Bah allez, Outlast. Non, c'est dommage. Je vais partir en cours. Recharger la page. Donne-moi l'autre d'ici truc, 30 ça. Secondes, je vais lancer Outlast, ça va reset le truc. Okay. Ouais, j'avoue, Silent Hill, violence. A tout de suite. Bitch.